Bonjour à tous et bienvenue dans Akiba pour votre dose d'actu rétro gaming avec la complicité de romgame.fr et du mag de mo5.com. Au sommaire, une bien triste nouvelle. Plus de 3000 mods sur Command & Conquer, Billy Mitchell rétabli dans le Guinness World Record et un presque nouveau Rayman. C'est parti. Jérôme Hatton a publié une bien triste nouvelle sur la page Facebook du Pixel Museum de Schiltigam dont il est le directeur. Depuis février 2017, l'unique musée français consacré aux jeux vidéo a beau être une réussite en termes de fréquentation et plébiscité par le public, la fermeture définitive du lieu est en effet entérinée. Pourtant, c'est plus de 75 000 visiteurs venus de nombreux pays qui ont pu découvrir la plus grande collection au monde exposée consacrée aux jeux vidéo. Jouer, participer à des tournois, comprendre et lutter contre les idées reçues, telles étaient les missions de ce lieu. Plus de 60 événements ont été organisés en 3 ans, 3 emplois permanents créés, et les perspectives de développement étaient idéales. Seulement le loyer inapproprié, l'absence de soutien des collectivités et une configuration ne permettant pas de se développer, tout comme l'impossibilité d'accueillir le public dans des conditions de sécurité sanitaire adéquates, sont venus mettre un terme à la magnifique aventure. Malgré la déception, l'équipe continuera sa mission de préservation de ce patrimoine et espère partager de nouveau rapidement avec le public. Merci. On compte déjà 3000 mods pour Command & Conquer Remaster Collection alors que le jeu n'est sorti que depuis quelques semaines. À moins que tout cela ne soit l'œuvre du malin, ce chiffre démontre qu'un éditeur aura toujours plus de bénéfices à faire un beau geste à la communauté plutôt qu'un doigt d'honneur. Depuis qu'il a déboulé sur PC, Command & Conquer Remaster Collection bénéficie surtout de cartes personnalisées. Mais sa communauté extraordinairement active produit également bon nombre de mods incroyables. Soyons tout à fait honnêtes et reconnaissons-le, certains de ces mods sont tout à fait anecdotiques. Mais vous aurez certainement raison de télécharger ce mod qui cherche à améliorer l'IA, ou cet autre qui améliore la mécanique de zoom avant et arrière, ou encore celui qui placera des sacs de sable en travers du chemin de vos ennemis. Toute cette métamatière est à récupérer sur la page dédiée de Steam, où tout vous sera expliqué si par aventure, vous souhaitiez ajouter votre pierre à ce glorieux édifice. A partir d'aujourd'hui, les records établis sur Donkey Kong et Pac-Man par Billy Mitchell sont rétablis dans les Guinness World Records. Il y a quelques années, l'organisation Twin Galaxy avait dépouillé Billy Mitchell de ses scores suite à des accusations de tricherie. Mais aujourd'hui, Mitchell est encore une fois officiellement reconnu comme la première personne à enregistrer un score de 1 million de points sur Donkey Kong. Il a été donc défini que ce que Twin Galaxy affirme au sujet du score de Billy Mitchell n'est tout simplement pas possible. Il n'est donc pas vrai qu'une carte d'émulation aurait été branchée sur une borne Donkey Kong. Il a même été reconnu comme tout simplement impossible que du matériel ait été placé à l'intérieur de la machine de Billy Mitchell. Cette décision vient donc clore officiellement ce long feuilleton dans lequel même Walter Day, le fondateur de Twin Galaxy, mais aussi le détenteur du record actuel sur Donkey Kong, Robbie Lachman, avait apporté leur soutien à Mitchell. En revanche, pas sûr que cela contribue à mettre un terme au drama sur les internets. Il faut croire que l'on adore ce genre de rivalité. Découvrons pour finir le tout nouveau fangame 2D Rayman, Rayman Redemption. Fruit du travail de 3 années de Raymany, il est désormais temps de goûter ce fruit délicieux, car la démo vient de faire place à la version complète de ce jeu disponible en téléchargement gratuit. Résolument rétro, ce Rayman Redemption se joue comme un Rayman 2D officiel tout en étant ce que l'on peut appeler la réimagination du jeu Rayman original de 1995. Cette version complète de Rayman Redemption propose de nombreux nouveaux contenus, avec des nouveaux mondes, de nouveaux niveaux, des mini-jeux. Chaque monde proposera 3 nouveaux bonus, un dans chaque catégorie, pour un total de 21 niveaux chouchoutés inlassablement par le développeur finlandais sur Game Maker Studio 2. Merci à tous, retrouvez Akiba le mardi soir sur la chaîne YouTube Jean-Christophe K et le jeudi suivant sur Recoldox. Alors à très vite, et d'ici là je compte sur vous pour partager la vidéo et réagir dans les commentaires. Ciao.